puisque la haine ne cessera jamais avec la haine cessera avec l'amour. La cuisine, c'est comme l'amour, on y pénètre avec abandon ou pas du tout. Ne pense pas que tu es, sache que tu es. Tu es. Tu es. Le partage est une nourriture qui fait renaître l'espérance. L'amour est exquis, autant que délicieux. Il est précieux et respectueux. Joyeux et affectueux, s'il est placé, entre les mains, de la personne, qui en prendra soin. 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 Il y a deux façons de ne plus avoir envie de rien, avoir ce qu'on voulait ou être découragé parce qu'on ne l'a pas. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Il paraît que la crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Je ne vois pas en quoi c'est une crise. Depuis que je suis petit, c'est comme ça. Les hommes naissent ignorants et non stupides. C'est l'éducation qui les rend stupides. Le cheval, comme chacun sait, est la part la plus importante du chevalier. La liberté de l'amour, c'est reconnaître et accepter l'impermanence et l'incompréhension. La bouche garde le silence pour écouter parler le cœur. Malgré tout ce qui arrive dans la vie, la chose la plus importante est de ne jamais arrêter de croire à ce que nous sommes et ce que nous devons faire pour nous-mêmes. La patience rend plus léger les maux que l'on ne peut guérir. Directeur pompe funèbre cherche personnel ayant le sens de l'humour, connaissant particulièrement la mise en boîte. Le football permettait au peuple de briller à la face du monde sans tenir compte de différences de langue, de religion, de cultures ou de richesses. Aujourd'hui, on se mêle de vouloir apporter la démocratie dans des pays qui n'en veulent pas. 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 J'ai su que c'était le bonheur au bruit qu'il a fait en refermant la porte. La liberté, c'est l'absence de limites. Bon gré mal gré, ainsi va la vie, se laisser apprendre, surprendre, la réalité n'est que fortitude. Il vaut mieux être plus qu'on vaut que de valoir plus qu'on est. Néons deux fois. Oui. La première fois, le jour où l'on est à la vie, la seconde fois, le jour où l'on est à l'amour. La nostalgie, c'est comme les coups de soleil, ça fait pas mal pendant, ça fait mal le soir. Femme sage est plus que femme belle. Qui n'a pas souffert de l'absence d'un être alors qu'il est là, en face de soi, n'a pas connu l'amour. Les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. Pour examiner la vérité, il est besoin, une fois dans sa vie, de mettre toute chose en doute autant qu'il se peut. Peu. Peu. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Regarde en toi-même pour y rechercher la beauté, si tu ne l'y trouves pas, imite le sculpteur qui, pour parfaire son œuvre, la gratte, l'épure, la polie et lisse la matière jusqu'à ce qu'un beau visage apparaisse. Comme lui, enlève en toi ce qui est inutile, corrige ce qui te paraît imparfait, efface en toi les zones d'ombre pour que la lumière transparaisse, ne cesse pas de sculpter ta propre statue jusqu'à la rendre manifeste et lumineuse. Deviens cela, ton œuvre propre, demande-toi si vit en toi un être pur, sans que rien d'étranger ne le trouble ou ne le dévore. Et si tu le découvres, c'est que tu es devenu la véritable image de toi-même, que tu t'es élevé tout en restant au cœur du monde et que tu peux contempler, sans aucune aide, la vérité au fond de toi. L'adhésion populaire est essentielle. Avec l'adhésion populaire, rien ne peut échouer, sans elle, rien ne peut réussir. Donne-moi la beauté de l'âme car je ne posséderai jamais celle du corps. J'admire comme on peut mentir en mettant la raison de son côté.
Le travail est un cimetière d'espoir. La musique permet de jouir des émotions, même de la douleur. Il n'y a qu'un seul état d'âme qui lui est inaccessible et c'est la solitude. Simbe, je vais te répéter ce que me disait mon père quand j'étais petit, regarde la Voie lactée. Les grands rois du passé veillent sur nous du haut des étoiles. Ainsi, lorsque plus tard, tu te sentiras seul, rappelle-toi que je serai toujours là pour te guider. Dialogue de couple. Elle, je me sens si seule. Lui, moi, pas assez. Combien d'amour, plus ou moins coupable, combien d'intrigues, combien de douleurs pour la mort de leur mari ont souffert toutes ces femmes, moi y compris. Mais combien de remerciements et combien de styles, nous les femmes avons réussi à insuffler dans ce château qui émerge presque comme par magie des eaux du Cher. L'écriture ressemble à la prostitution. D'abord on écrit pour l'amour de la chose, puis pour quelques amis, et à la fin, pour de l'argent. Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière. Hier. La plume de l'oiseau s'envole en l'air mais elle termine à terre. Celui qui s'oriente sur l'étoile ne se retourne pas. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Tandis que la nature propose, l'homme impose et ce sont toutes les vies qui s'exposent. L'élite de ce pays permet de faire et défaire les modes, suivant la maxime qui proclame, je pense, donc tu suis. La joie possède ce secret de rendre à l'âme une jeunesse que les années lui ont implacablement dérobée. La violence est le dernier refuge de l'incompétence. J'adore écouter des mensonges quand je connais la vérité. Mais on ne trouve le bonheur qu'à faire ce qu'on aime avec les tendances profondes de son âme. Âme. On dit que le ridicule tue. Est-ce vrai? Pas du tout. Regardez autour de vous, il n'y a que des gens bien portants. Faut-il partir? Rester. Si tu peux rester, reste, pars, s'il le faut. Faut. Oublie les amis, oublie la famille, oublie l'amour. Désormais tu seras le ridé jusqu'à la fin de tes jours. Ne jamais faire confiance à un mari quand il est loin ni à un célibataire quand il est prêt. C'est ce qui sort de ta bouche qui te maintient en vie. Ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas le commencement de la fin. Mais, c'est peut-être la fin du commencement. Dans la colère, rien ne convient mieux que le silence. Tout ce qui paraît au-dessus de tes forces n'est pas forcément impossible, mais tout ce qui est possible à l'homme ne peut être au-dessus de tes forces. Je ne crois plus en Dieu depuis que je crois au Père Noël. Son cœur est un magnifique jardin. Aux mille senteurs de rosée de jasmin. Qu'il serait bon de respirer ce si doux parfum. Un hymne à la joie, une osmose à portée de main. Où nous pourrions au quotidien danser la vie, chanter l'amour. Et en faire notre plus beau refrain. La vie devient une chose délicieuse, aussitôt qu'on décide de ne plus la prendre au sérieux. L'échec, c'est la réussite du con.